Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, jour de chasse. Phase d'exploration de Mevei Taiga, partie 37 sur The Hunter Call of the Wild. On se retrouve après l'introduction, c'est parti, let's go! Donc, du coup, j'ai un truc à vous dire, les amis. Juste après, lors de la dernière vidéo, juste après qu'on se soit quitté, j'étais là-bas, si vous vous souvenez bien, j'étais au niveau d'ici, là, et j'ai l'ours moyen que j'avais repéré pendant la vidéo qui est venu se caler ici. Malheureusement, je ne l'ai pas clippé. Donc du coup, je ne peux pas vous montrer la scène, mais j'ai réussi à le taper. Et je vais vous montrer en codex. Journal de chasse, dernier prélèvement. Voyez, ours brun, brun clair, 23-10-03, 18h37, évaluation 22.1, médaille d'argent. En fait, je lui ai éclaté le côté gauche. J'ai eu le poumon et le foie, et je l'ai eu avec celle-là, avec la grosse, le 454 Magnum. Donc j'étais vraiment très content, mais je me suis dit, c'est dommage que ça soit tombé après la vidéo. J'étais vraiment fâché, du coup. Et du coup, on va continuer l'exploration. J'ai entendu des bruits de pas. J'ai entendu des bruits de pas, à moins que c'était les miens. Donc, du coup, comme vous avez vu, j'ai mis le marqueur en direction de là-bas. Et on va s'y rendre. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ah. Alors, ours brun femelle. Le problème qui va se poser, c'est que si j'utilise la peau, je vais pas essayer de la taper là, hein. Le problème qui va se poser pour moi là maintenant, c'est que si je me préoccupe de l'ours brun qui est devant moi, derrière j'ai des loups. Et je sais pas combien ils sont. Donc, ça peut être très compliqué pour moi là pour le coup. Allez. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Ah, elle se re... Ah, elle revient. Elle revient, c'est cool.
Ouais. Elle est calme, elle est en déplacement. 161 mètres, je vais pas la taper. Je vais attendre qu'elle se rapproche. Et l'ours, je l'ai eu, l'ours brun, je l'ai eu à 80, 90 mètres. Il me semble. T'es où, ma grande? Là. 123 mètres, elle est encore trop loin. Moi, je vais essayer de me rapprocher. Qu'est-ce que je vous disais par rapport au loup? Qu'est-ce que je vous disais par rapport au loup, les amis? Ouh, il y a moyen que je me fasse éclater là. Allez, là on peut la tenter. Touché. Et il y avait des. Il y avait bien des animaux en face de moi. Allez, hop, elle va tomber. Je sais pas ce qu'il y avait derrière moi ou sur le côté, mais en tout cas, ça peut pas être des loups. Ouais, vous voyez? Je l'ai tapé à 40 mètres et je l'ai eu chair, estomac, foie. Donc ça va. Je suis content. Je suis quand même bien content, j'arrive à taper. Et du coup, ça va augmenter mon score d'armes. Alors, pour le score d'armes, il faut aller dans... alors, déjà, on va voir. Hebdomadaire, communauté, complété. Ah, ça c'est cool. Score final était de 10, 16 et 9. D'accord. Ok, ça marche. Donc, alors, c'est dans... Profil de chasse. Non? Non, c'est pas ça. Carte de... Ah, voilà. Alors, au niveau d'armes de poing, je suis passé à 1312 et j'ai besoin de 1700
1700 points pour acheter la mire que j'ai besoin pour comment dire, le renard roux à plus de 75 mètres. Donc il y a encore pas mal de temps, hein. Là, on va le faire courir un peu, hein, sinon on n'ira jamais là-bas. Surtout que une fois qu'on a fait ça, je me retéléporterai à l'aire de repos et on partira dans ce qui reste dans la dernière partie de la région du lac. Sanglier. Je sais qu'il y avait des loups qui avaient hurlé, qui avaient poussé leurs cris, pas loin de moi. Donc quand j'ai utilisé la peau, il y a peut-être moyen que c'était un loup qui était à côté de moi. Rennes. Voilà, à mon avis, je pense que pour le renne, c'est mort. Au niveau de l'heure, il est bientôt 1h du mat. Là, il a vu ma lumière, il m'a entendu, il m'a senti, tout quoi. Max de bruit plus la lumière, c'était sûr qu'il allait se barrer sans faire de bruit, enfin sans s'annoncer avant. On va partir un peu plus vers le bas. J'arrive à monter à la bonne hauteur. T'es où, mon cochon? Donc, pour le renne, c'est catégorie 6 et du coup, c'est le 357. Alors, je ne sais pas s'il est de mon côté ou s'il est du côté de l'arbre, droite. Je l'entends pas, il n'a pas l'air de vouloir bouger. Il est peut-être aux aguets, en mode. En mode réception et à l'affût. J'ai entendu des bruits. Là, là, c'est bien mon pépère. Par contre, si tu vas derrière le truc, je vais pas pouvoir tirer.
Ouais, il est juste derrière. Alors, tu vas passer par là. Allez, une cartouche. Merde. Ah, il est tombé net, à mon avis, je pense que j'ai eu le cœur. Et ça, c'est cool. Alors, cher, bah du coup, poumon gauche. Ah ouais, d'accord, je comprends pourquoi il est tombé net. Hop, impeccable. Et au niveau du score, ça me l'affiche pas. C'est pas grave. On est passé à 1356. Et c'est ce qu'on était, c'est ce qu'on avait déjà, non? En tout cas, il y avait un renne qui était derrière moi encore là. Moi, j'aime bien quand. Quand c'est face à moi. Et par contre, quand je suis encerclé, c'est pas trop mon kiff. Hein. C'est pas trop mon délire de me faire encercler. Ah, c'est moi qui fais du bruit quand je bouge, même quand je suis en rotation, du coup. Bon, on a 800 mètres à peu près à parcourir, un peu plus de 800 mètres. La ligne de chemin de fer. Ah, bah finalement, on va pas aller jusqu'au bout, les amis. On va aller là. Ah, c'est cool, j'ai débloqué le. Ah ouais, d'accord, ok, vas-y, prends-toi la tronche dans un buisson. Parfait, ça, dis donc. Ça, on aura beaucoup moins de. On aura beaucoup moins de distance à parcourir. Bon, t'es un peu loin, mon pépère, là. T'es légèrement loin, là. À 170 mètres. Pas sûr qu'il se ramène, hein. Pas mal de traces qui passent par là, là.
Je crois entendre des bruits de pas. L'impression d'entendre des bruits de pas, mais au loin, mais... Ah bah vous voyez, il est pas très loin. Ouais. Approche encore un peu. Ah, il s'est barré. Ok, bon, tant pis. Je pense qu'il a dû me sentir. Je me demande à quoi ça sert qu'on ait les trucs olfactifs là. Enfin bref, c'est pas grave. J'avais pas débloqué un autre. Ah oui, c'était par là. Je croyais qu'il avait fui. C'est peut-être parce qu'il y en avait deux. Approche-toi, mon petit renne.
assez timide, hein. Allez, approche-toi. Je sais qu'il est pas loin. Il est toujours en face. Parce que j'ai pas eu les, comment dire, les bruits de fuite. Donc je sais qu'il est là. Bon. Je crois qu'il est parti. Ouais, je... Alors par contre, l'élan, il sort de nulle part, là. Et j'ai pas le, la peau à élan de toute manière. Donc... Je le voyais pas aussi près. Je le voyais pas du tout, de toute manière. Trapper 4. Bon, alors, du coup.
Donc il nous reste le temps. Il nous reste suffisamment de temps pour aller au point là-bas. Là. Moi, je m'en fous, je veux juste aller là-bas. Oh, il y avait un troupeau, merde, c'est con. Tant pis. Ah, le lynx d'Eurasie, par contre, je l'ai pas vu, hein. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on est sur un lynx qui a faim et qui va se rapprocher? Rapidement, ou est-ce qu'on est sur un lynx qui est un peu timide et qui va mettre du temps? Est-ce qu'on peut pas dire que les animaux sont très très curieux là, hein?
Et si j'avance et qu'elle se barre? Encore un petit peu si vraiment elle... Si vraiment elle ne se manifeste pas à nouveau, je changerai. Position et j'avancerai. Allez, hop, c'est bon. Pas voulu répondre. Tant pis. J'en étais sûr que t'allais me faire ça. Saleté, là. Oh, puis il y a une pierre en plus énorme quoi. À la limite, elle est peut-être derrière le rocher quoi. Ouais, je pense qu'elle est derrière le rocher. Derrière le rocher, c'est bien ce qui me semblait. Mais j'arrive pas à la repérer. Peut-être la repérer un peu plus. Ben alors, c'est que tu te caches, wesh. Ouais.
Je sais qu'elle est toujours là. Hein. Bon, allez, c'est bon, tu m'emmerdes. Allez, hop. Casse-toi. Que tu fuis, que tu fuis pas, je m'en fous. Hein. Oh, mais dis donc. Il y a beaucoup de traces ici. Un élan, je m'en fous. Vais-je réussir à monter? Néné 3. Bon, bah là c'est bon les amis, hein. Ah bah on va quand même se téléporter au niveau de. Parce que si je fais ça, on est à combien de distance? Qu'est-ce qu'on a sur le lac? Rien du tout. Un petit sanglier? Ah oui, des sangliers même. Dérisoire, dérisoire. Très facile. À votre avis, cent quarante mètres. J'ai pas touché. Il me faut vraiment cette lunette. Hein. Je crois en la Vierge là. Ouais, je crois beaucoup en la Vierge là. Bon, les amis, on va se quitter pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager le lien de la chaîne. Pour les non-abonnés, je compte sur vous pour le faire. C'est gratuit, c'est l'histoire d'un clic. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très bientôt pour la suite de l'exploration de Mevei Taiga. Prenez soin de vous. Salut, salut les amis.